Et y'a tout le monde, c'est Delta Draco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Et on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'aventure sur Batayville avec Arcana. Comme je suis occupé là, j'avais fait une petite intro mais elle avait un peu foiré, donc du coup j'ai repris directement au pierre-feuille-ciseau. Alors j'ai vu que ce duel était assez chiant, j'espère qu'il le sera pas pour moi. Mais vu ma main de départ, ça commence bien, sachant qu'il joue très rapidement de ce que j'ai vu le magicien sombre. Parce que lui, il a pas de problème pour le jouer. Ouais, bon bah d'accord, ça commence bien. Ok, je crois que... Ouais, très bien. Bon. Ça va partir sur un abandon dès le début du match. Bon, normalement, j'espère quand même le violenter assez rapidement pour passer au suivant. Parce que c'est un peu chiant. Aïe, aïe, aïe. Je vois pas du tout comment je peux gagner là. À moins de... Non, attendez. J'ai vraiment fait un départ de merde. J'avais une main de merde. On va recommencer. Hop. On perd pas de temps. Voilà. Deck de l'histoire. Bon, normalement, j'aurais pu avoir de rage quit. Mais la dernière fois, l'autre là, Seeker, il m'a. Oh, il m'a fait câbler. J'ai l'impression que plus. À chaque fois que je fais gauche, j'ai l'avantage. Bon. Hein. Espérons qu'il n'ait pas un trou noir. Ça, c'est quoi? Détruisez autant de cartes magiques contrôlées par votre adversaire que possible. Si vous le faites, infligez 500 points de dommage. Attendez. On va prier pour piocher une grosse grosse carte. Voilà. Hop. Et on va envoyer. Ouah, le lutin. Je vais en. Hop, invoquer ici. Premier tour, mon magicien des ténèbres. Voilà. Très 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 bonne carte. Que je viens de faire le combo du siècle. Bon. Hop. Hop. Et là, normalement, ça passe. Paix de moitié, invoquer. Ok, bon. Ça va. Il va me faire le même combo. Oh, Taki est activé. Bah non. Non, j'ai dit non. S'il vous plaît. Moins 800, c'est pas trop dramatique. Bloc, ça commence à faire beaucoup, monsieur. Hein. C'est pas grave. Message de paix est activé. Ah non, par contre ça dégage. Pas le message de paix, s'il vous plaît. Hein. Bon non, pas besoin d'utiliser cette carte, voyons. Voilà, moins 500, nickel. Jusque là, ça a l'air d'aller. Par contre, on va faire ça. Voilà. Hop, je vais poser ça. Et je vais essayer, deuxième tour, d'invoquer un magicien sombre depuis le deck. Attendez. On va faire ça, hop. Eh, on sait jamais sur un malentendu, je pioche une carte de ouf. Si je fais ça, je peux activer cet effet? Ah non, je peux pas. Bon, dommage. C'est pas grave. On va dire que au moins s'il fait un trou noir, j'ai toujours un magicien sombre qui peut être invoqué. Pourquoi je lui fais pas de dégâts? Attendez. Je comprends pas. Bah non, bah j'ai pas envoyé de carte de chiante dans son cimetière. Bah non, bah qu'est-ce que... What the fuck? Ah non, si, d'accord, ça vient de s'afficher, ok. Bon bah, je sais pas si c'est juste moi qui ai pas fait attention ou s'il y avait un gros bug d'affichage. Dites-moi pas que je regardais mes points de vie. Quand même. Bon, ouais, on va partir du principe que à tout moment... Il peut me mettre une carte qui me fait chier. Donc on va partir du principe que j'attaque. Force miroir. Non. Bon, j'ai gagné. Bon. C'est de la victimisation rapide. On va pas se plaindre. Par rapport à la vidéo de la dernière fois, ça va vite. Bon, Arcana, je m'en fous un peu de ce qu'il dit. Ah, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ça me grattait le bout du nez. Ouais, bon. Le piège d'un secteur. Bon, normalement, si jamais il a pas les bonnes cartes, il peut pas jouer vraiment de grosses cartes. Par contre, mais je suis con, faut aller vers la gauche. La gauche, abruti. Bon, ça va, je joue en premier. Je n'aime pas jouer en second. Sauf si c'est un deck forcément qui se prête à jouer en second, mais... Ah, mais vas-y, le jeu aussi. Abuse pas, non? Attends, face recto contrée par votre adversaire. Ok, bon. Bah très clairement on va invoquer lui. On va poser ça. On va poser ça.
Et on va partir du principe que au premier tour, il va nous invoquer la reine des insectes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va quand même pas suicider son monstre. Un monstre a été invoqué normalement. Bah non. Non. Déclare une attaque. Non. Ah mais en fait monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas ce move. Non, je vais pas l'activer pour l'instant. Laisse-moi deviner, sa carte c'est une carte magique qui empêche. Eh, vous savez quoi? Hop. Voilà. Hop. On va jouer ça. Tada. Yes. Eh. Si on peut gratter des dégâts par-ci par-là, j'ai mon œil qui me fait atrocement mal. Alors, ouais, par contre, son monstre en mode défense. S'il vous plaît, le jeu, faites-moi piocher une polymérisation. Ah, ça va être un peu chiant, ça, monsieur. Non, ça va. Non, ça va pas. Bon, si. Si, ça va, ça va. Pour l'instant, ça va. Jusqu'au moment où il va m'invoquer un monstre à 1700 ou un monstre avec beaucoup trop de défense. Ouais, ça c'est pas une carte que je juge très utile. Et vous savez quoi? On sait jamais qui veuille détruire une de mes cartes. Allez, pas beaucoup de défense. Ah, ça va, le deck insecte c'est pas ce qu'il a la meilleure défense. Hein. Mais faut quand même réussir à passer à travers parce que il va me sortir un move. Je vais me retrouver coincé. Je sais pas si c'est le dragon crâne noir et le dragon glaive de l'alligator là ou je sais pas quoi là. Non, j'aime pas beaucoup ça. Non, c'est bon. Je croyais que c'était le trou noir. Ouais, le trou noir. Mais c'est le typhon d'espace mystique. Bon, on va jouer ça. Hein. Écoutez, j'ai rien à perdre. Hein. Par contre, je vais pas activer son effet. Faut pas déconner. Mais oh, j'ai toujours peur qu'il a un gros monstre en position de défense. Mais bon, visiblement, il a pas ça. Bon, si ça se passe bien, prochain tour, je devrais pouvoir le tuer. Ouais, parce que si je joue rien prochain tour, je crois que je lui mets les piles, les 2400. Je suis nul en maths, mais ouais, je crois que ça fait 2400 piles. Et au plus pire des cas, je pioche la polymérisation. Écoutez, hein, on va sacrifier ce monstre-là. Voilà. J'espère tout simplement qu'il va pas me jouer un truc qui va détruire tous mes monstres. Non, c'est bon. J'ai eu peur de l'hommage torrentiel. C'est bon, ça n'a pas de défense. Hop, c'est win. Bon, ça va. On l'a arraché comme jamais. Hop, c'est bon. Bon, Insectoraga, ça va. Il n'a pas eu son combo. J'ai ce qu'il fallait pour jouer dès le départ. Hop, Sting. C'est parti. Deck de l'histoire, évidemment. Il me semble que ce duel est fait exprès pour faire meuler l'adversaire. Ah bah non, quoique, la gauche ça marche pas toujours. Joue en deuxième? Connard! Pagay 18. Bon. Non, je peux faire en sorte qu'il ne m'attaque jamais. Bam, bam. Une petite force miroir. Et bah voilà. Épée de lumière révélatrice. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Magio Sheldon, je connais pas. Mais ça, et quoi? Et une chose que je suis sûr, c'est que je vais prendre le contrôle de ton monstre. Hop. Paf. Petite force miroir, on sait jamais. Par contre, le Monster Reborn, je le garde bien précieusement dans ma main. Bon, ça va. Je commence avec une extrêmement bonne main. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Littéralement. Bon, elle va la repasser en mode défense, ça c'est sûr. Bon, bah c'était même sûr. Hein. Bah écoutez, on va péter ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ça me forçait à mettre mon Monster Reborn sur le terrain. Bon, je suis pas fan.
Ouais, bah ouais. Bah écoutez, on va taper le monstre à gauche, hein. D'accord. Bon, je suppose que je n'aurai rien à part le crâne invoqué et le magicien sombre qui passeront ce monstre. Très bien. Très bien, très bien. Eh bah voilà. Il suffisait de demander. Hop. Voilà. Et bien évidemment, je vais aller rechercher mon monstre. Parce que sinon, il va mettre trop. Oh, quoique. Ouais, non, je vais attaquer. Je vais juste attaquer. Hop. Ça dégage. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que bah, je meule pas beaucoup son deck pour l'instant. Et ne le meule pas beaucoup non plus. Ok, j'ai plus les épées de lumière révélatrice. Par contre. J'ai le magicien sombre. C'est un peu chiant parce que je peux pas le jouer pour l'instant. Bon, on va détruire lui. Voilà. Bon, ça va, je le maintiens. Puis même si je joue Slifer ou quoi, je lui balance. Oui. Qu'est-ce donc? Emphase. Très bien, je comprends pas. Attends, votre adversaire ne peut pas sélectionner cette carte comme cible d'une attaque tant qu'il contrôle une carte magique ou piège. Oh le bâtard! Ah l'enfoiré! Ah bien joué. Je peux rien faire, t'as été meilleur. Par contre, ça m'empêche pas de cibler les autres. Eh oui! Ah j'aurais peut-être dû jouer ma piège. Enfin ma magie. Eh ben attendez, je vais l'inciter à jouer sa carte. Enfin, à m'attaquer. Hop. On va chercher bien évidemment le magicien sombre. Qui est une excellente carte. Enfin, elle est excellente, mais que s'il y a les magies pièges qui vont avec, hein. Ok, bon là normalement. Je peux lui défoncer. Oh non. Ok. Bon bah si chaque tour je peux le. Chaque tour, je pourrais pas. Puisqu'au bout d'un moment, il va le sacrifier. Ok, bien joué. Hop, c'est bon. Et c'est une victoire. Ah non, pas encore. Oh non. Oh non. Ah bah non. Qu'est-ce que je raconte? Vu ce que j'ai dans ma main, j'ai encore peur, moi. Eh bah voilà. Voilà qui fait tout. T'as combien d'attaques, toi? Ouais, t'as 100 d'attaque, c'est pas vraiment ouf, hein. Alors. Boum. Moins 1000. Voilà. J'aurais pile pas assez pour le tuer, putain. Fais chier. À quelques points près. Bon, ce qui est bien, c'est que peu importe ce qu'il fait, à moins qu'il ait un trou noir ou quoi, je gagne. Mais il me semblait avoir vu que son deck se meulait facilement, hein. Bah bon, j'ai peut-être rêvé. Peau de cupidité. Oh, casse-couille avec cette carte, hein. C'est quoi ça? Chaque joueur envoie deux cartes depuis sa main, cimetière et pioche deux cartes. Ah, mais t'es bien drôle. C'est quoi ça? Je peux pas attaquer, hein. Ouais. Si j'ai pas une solution tour d'après, il va m'invoquer Slifer, hein. Ou alors il va jouer très défensif. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut m'attaquer directement avec cette carte de merde? Qu'est-ce qu'il... Nani? Attends, 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 attends. Pourquoi il me centre au milieu sur cette carte? Aussi. Déconne pas. Ah, quoique. Attendez, le bot réfléchit. Ah, il y a plus sa carte. Ah, ça m'arrange. Mais en fait, je tue son monstre et c'est bon. C'est quoi ça? Renvoie toutes les cartes magie piège sur. Bah, je m'en fous en fait. Au revoir le spectre revenant. Au revoir toi. Au revoir toi.
Et on est bon. Ah, quoique. Hop. Hop. Bon, allez. C'est bien de s'amuser 5 minutes, mais à un moment, faut finir le duel, hein. Bon, bah, je sais pas comment j'ai fait pour gagner comme ça, mais à mon avis, il a pas les bonnes cartes dès le début. Mais il me semble que bah, j'ai pas dû piocher beaucoup de cartes, parce que pour avoir vu Zulu jouer à ce jeu-là, il me semble qu'il avait meulé énormément de cartes. Et voilà, j'ai eu l'effet. Allez. C'est parti. Contre Bakura. C'est le duel avec le Death. Enfin, Final. Ok. Je vais commencer. Dernier duel, que je gagne ou que je perde. Parce qu'après, je pense que la vidéo va être trop longue. Je ne pense jamais à regarder. Alors, déjà, on va jouer lui en position de défense. Ensuite, ça c'est quoi? Hop, de toute façon, je pense pas qu'il a un monstre qui passe au travers du mien. Par contre, il a un monstre qui s'appelle Golem de lave, qui est relativement chiant. À invoquer un monstre. Oui, on va faire chier avec une carte de ta main, au pif. Une carte de merde. Yes. Hop. Moins 1150. Par contre, ça fait super chiant. J'avais oublié cet effet-là. Activer l'effet. J'espère qu'il a pas Golem de lave dans sa main, sinon ça va coûter très cher. Parce que je crois qu'il peut pas être sacrifié. C'est chiant ça, non? Ok. Ça va être très très vite compliqué. Nécessite 3 sacrifices. Bon, c'est bien de m'extasier, mais un moment, hop. Il faut jouer, monsieur. Allez, c'est parti. Là, il faut que je le tue avant qu'il ait le final. En vrai, si je pioche la malédiction du dragon, je sacrifie Buster Blader. Ok. Ça va être tendu. En vrai. Bon, bah. Ah, pour l'instant, il peut pas. En fait, pour l'instant, il peut pas gagner. En défense. C'est compliqué ça. En fait, tant qu'il a cette carte, je suis bien parce qu'il peut pas la jouer. Là, il me faudrait vraiment une carte qui détruise sa carte piège. Ah, quand même pas sacrifier son sanglant. Ok. Boum. Lorsque cette carte, blablabla. Ah, c'est 1000 points pour chaque carte dans ma main. Le truc, c'est que ben, ça sert à rien en fait. Je crois que j'ai perdu. Ok, il a pas pu jouer sa carte. Par contre, si je ne peux pas jouer, je suis dans la merde. Je suis dans une sacrée merde. Bah, j'ai perdu en fait. Ah oui, parce que dans tous les cas, je peux pas piocher de cartes. Ah, ça fait un peu chier ça. Quand même. Bon, bah, je crois qu'il a gagné. Dommage, fin de duel. J'ai perdu. Ah, c'est la même chose qu'Exodia ça. Bon. J'ai peut-être pas eu la meilleure main. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.